Non mais d'où ça sort cette nouvelle histoire de délai là? Le maire a déjà donné son accord. Non, il a donné son accord. Je suis désolée, j'ai déjà donné une fois un délai, je ne vais pas en redonner encore une fois. Qui est vraiment décisionnaire dans ce marché? Qui a la signature? Ma pire angoisse, c'est d'envoyer le SMS qu'il fallait pas envoyer à la personne qui aurait jamais dû le recevoir. Non, c'était déjà décidé, le maire a donné son accord, je ne comprends pas pourquoi on revient là-dessus. Oh, fais chier, elle a mis un code. Oh, je sais, je vais rentrer trois mauvais codes, comme ça je vais le bloquer. Ah mais non, mais merde, c'est un code de sécurité, ça. Il faudrait que je bloque le code PIN, mais si je bloque le code PIN, ils vont me demander le code PUC, et peut-être qu'elle l'a, le code PUC, elle. C'est pas notre histoire, on va pas rentrer là-dedans. Bah non. Ah bah tu vois, elle est d'accord avec moi. Mais attends, on les connaît par cœur, de toute façon. Mais ça, que le maire, le préfet puisse pas se saquer, on le sait depuis le début, hein. Jérôme, je te rappelle, à tout à l'heure. C'est quoi ça, Romain? Mais c'est moi! Non, ça c'est... C'est pas vous, ça, enfin. Enfin, si, c'est vous, mais c'est pas... T'es de ma gueule? Bon, voilà, si je vous l'ai envoyé, c'est pour vous prévenir que la photo circule dans tout le bureau. C'est qui, le petit con qui a fait ça? Bon, c'est un principe, on dénonce pas les amis. Bon, alors c'est simple, vous me dites qui c'est ou je vous vire. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment considérer un collègue de bureau comme un ami? C'est Stéphane. Qu'est-ce qui se passe? C'est Stéphane, il s'est fait virer. Ah bon? Ouais, il a fait une connerie, quelqu'un l'a dénoncé. Ah bon? On sait pas qui c'est. Ah bon?